Donc voilà, ça y est, nous voici lancés pour le tour de Madame Choumi. Ça, ça va être quelque chose, hein, ça. Premier tour de Madame Choumi sur le Nürburgring. Alors ça va être plus quelque chose pour moi parce que j'ai une gerbe, mais du futur quand je suis passager, donc j'espère que ça va bien se passer. Tu te mets à gauche ou quoi? Toi, tu te mets à gauche, au troisième... Tout voilà. Ah, super, génial, tu vas être un peu tranquille, ça va être sympa. Je te donne ta petite carte. Ouais, bien joué, très bien joué. Et ça y est, c'est parti. Au premier tour de Madame Choumi sur le Nürburgring. Donc attention, n'oublie pas le petit Dodan, on va appeler ça comme ça. Ah, c'est un Dodan. Et ça y est. Madame Choumi qui est lancée sur le Nürburgring. Est-ce qu'elle aurait cru ça un jour? Non. Je vous avouerai que je pensais jamais le faire. Je suis pas tout à fait sereine. Mais le but, c'est vraiment de rentrer entier. Voilà. Donc attention, il y a la petite BM qui arrive. Moi, je ferme ma petite fenêtre. Mettre un peu de ventilation sur la gueule, sinon je vais avoir la gerbe. Donc là tu restes gentiment à droite parce que tu as la Swift qui va arriver. Regarde où est-ce que tu vas. Ne pas regarder les rétros dans les virages. Donc là tu es tranquille, tu peux y aller, tu peux prendre les virages comme la Swift. Attention, anticipe et freine. Et pas de rétrogradé. Oh bah elle aussi a fait crisser les pneus, Madame Choumi. Reste à droite. Après, tu prends le virage et tu restes à droite. C'est très bien. Comme ça, on laisse passer tous les fous furieux. Impeccable. Tu restes encore à droite. Il y a la M3 qui arrive. Encore à droite. Bah, de toute façon, je crois qu'on va passer notre vie à droite, hein, de toute façon. Hein. J'aime bien à droite. Allez, anticipe le virage. Faut pas que tu arrives en vrac. Faut vraiment que tu anticipes. Oh, mais donc, il y a un grand peu ou quoi en face là? J'avais même pas vu que la tribune était remplie. Donc là, tu es tranquille, t'as personne. Ah, t'anticipes bien, tu freines ici. Freine, 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 freine. Parce que le virage, il tourne quand même. Voilà. Le virage, il tourne. Oui, il tourne. Mais il tourne fort, c'est ça que je voulais dire. Je sens qu'on va se foutre de ma gueule pour ça, là, ce que je viens de dire. Là, tu restes gentiment à droite. Allez, bien. Là, t'anticipes, tu freines. Petit crissement des pneus. Anticipe. Freine gentiment. Voilà, hop, tu prends le virage et tu te sers gentiment à droite. Il y a la Mégane RS qui arrive. Mais bon, elle est passée. Prendre ton virage comme lui à l'intérieur. Très bien. Là, tu restes à ta droite. Oh là là, ce missile. Et là, tu relâches. Très léger, c'est un double à droite. Tu peux prendre ta trajectoire normale. Hein. T'es pas obligé de rester à droite. Là, tu restes à droite. Parfait. Il y a personne. Tu peux suivre. Ah, si, il y a du monde, donc tu restes à droite.
tu ralentis. Voilà, gentiment, très bien. Et tu tournes. T'en fous, il n'y a personne derrière toi. C'est très bien. Là, tu freines. Tu freines, tu freines, tu freines, tu freines. Voilà, ça, c'est du frein. Parfait. Tu restes à l'intérieur. Ouais, c'est que tu commences à prendre la confiance, madame Choumi, c'est bien ça. Donc là, tu fais attention, parce que c'est une zone assez dangereuse ici, en fait. Parce que ça fait une sorte de pif-paf-pouf. Donc là, toi, tu tailles au milieu, quasiment. Tu fais comme ça, tout droit. Voilà, à l'intérieur. À l'intérieur, mon milieu. Non. Pas à l'extérieur. Ah. Ah oui, très bien vu. Donc là, tu ralentis. Bien, voilà. Tu n'es pas obligé de faire comme moi, de monter sur le vibreur. Essaye d'accompagner ton virage, n'attends pas le dernier moment pour tourner. C'est très bien. Voilà, impeccable. Là, tu restes à l'intérieur. Il n'y a personne, tu freines, tu freines, tu freines, tu freines. Voilà. Donc, tu vas finir comme monter ta queue avec la Pégus. Tu fais coucou à tout le monde. Eh, tu peux y aller. C'est bien, en plus t'as personne. Donc là, tu freines gentiment. Tu freines. Et là, tu prends bien la corde, tu rentres là-dedans. Voilà, vas-y, rentre dedans. Voilà, et là tu ressors large. Voilà, et ben voilà, tu commences à comprendre. Là tu freines. Et là tu rentres à l'intérieur du virage. Là tu freines quand même un peu, ouais, parce que là sinon on va finir au tas. N'oublie pas, c'est pas Bubus. Hein. Très bien, à l'intérieur. Très bien, voilà. Et là tu prends le plus à gauche possible. Super, sur les freins. N'oublie pas que freiner et tourner en même temps, ça n'a jamais fait bon ménage. Toujours anticiper ton freinage. Très bien, là tu ralentis gentiment, ça te fait ton gauche-droite. Là, faut que tu n'hésites pas à vouloir rentrer dans les virages. Freine, 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 parce que là t'arrives vite. Voilà, c'est bien. Et pas, c'est ton premier tour. Hein. La même chose. Tu freines gentiment et tu restes à droite parce qu'il y a grosse dingo qui arrive comme un avion. Putain. Ouais, tourne à un moment donné, ouais. J'ai cru que tu voulais dire bonjour aux gens là. Donc tu accompagnes plus vite ton virage en fait. Tu attends le dernier moment et après tu tournes. C'est pas bon. Faut vraiment que tu vois le virage et tu l'accompagnes. Là tu restes à droite. Reste à droite. Freine, 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 freine. Voilà. Freine un peu tard par contre. Au moment où tu penses à freiner plus tôt. Tu restes à droite par contre. Et à mon avis, un coup de 3 s'impose. Hein. T'es déjà en droit? Oh bah merde. C'était un coup de 2 alors qu'il fallait. À droite, il y a une voiture qui arrive. C'est quoi ça? C'est une Honda Civic? Ah, qui peut rester aussi à droite. Ah, ouais, parce qu'il y a une Porsche aussi qui arrive, donc tu restes à droite. Très bien. Donc là, vu que tu as personne qui arrive, tu fais comme eux, tu te mets bien sur la gauche, tu freines à coup, et tu tombes. Et après tu restes à droite parce qu'il y a un missile qui arrive, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un GT86, putain, elle arrivait comme une balle. Là, un coup de 3 s'impose. Voilà, un petit coup de 3, bam. Autre missile qui arrive. Encore un autre. Voilà, c'est le moment de solitude. Donc là, tu peux... Je vois rien.
Ouais, c'est bon, tu peux continuer, tu continues ta route, tu restes pas trop à l'extérieur pour le moment. Tant que t'as personne, c'est bon, tu peux rester à l'intérieur. Donc là, il faut bien que tu anticipes. Là, il faut que tu aies soit à droite, et dès que tu vois le vibreur, tu vas dessus sur le vibreur. Va sur le vibreur. C'est pas mal. Pense comme ça. Tu vois le vibreur, faut que tu te dises, faut que j'aille dessus. Tu veux le manger. Lotus qui arrive là, oh là là, il n'y a que des missiles, tu restes bien à droite. Ouais, c'est une Lotus Elise. Un groupe 4, c'est ça? Ah, faut que j'aille passer à ça que je t'ai dit dans la côte, c'est fini. Qu'est-ce qui arrive? C'est une Mustang ça, ouais. On crache gentiment à droite. Bah, il peut plus passer. Je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent pas tous nous passer. Là, tu prends ton virage. Eh bien. Mustang, elle va vouloir nous passer un jour ou ça se passe comment là? Merci. Parce que j'aimerais bien que tu l'aies ton carrousel quand même. On dirait un loup qui part en vacances quand même. Hein. Grosse lunette de soleil, grosse BM qui arrive, tu me mets à droite. Ah non, c'est pas une BM. Et une Golf. Ils fument, ils sont joués là. Donc, coupe 3, voilà. Tu prends ton virage et tu restes à droite. Il y a deux BM qui arrivent. Et là, t'appuies, mon gars. Là, t'appuies, t'enchaînes. Faut qu'on l'ait le carrousel. Ah, ça va être court. Mais vas-y, reste dedans. On s'en fout là. De toute façon, il n'arrivera pas avant nous. Vas-y, et là, anticipe bien, tu freines à coup. Eh, passe-le. Ouais. Alors, c'est quoi le carrousel? Oh là là, putain, ça donne la gerbe. Putain, c'est horrible. Allez, plus que 6 km. Ah, un virage que j'aime beaucoup. Tu vas sur l'intérieur. Voilà. Pense à ce que je t'ai dit. Tu vois le vibreur, tu vas sur le vibreur. Va sur le vibreur. Ah, t'as une voiture? Oh, t'as pas eu le temps? Oui, mais non. Bon, bah, vas-y, Fiat 500. Elle t'a laissé une avenue, là. Elle est en train de perdre des kilos, là. Je vous dis, madame Choumi, là. Elle m'a dit qu'elle voulait faire un régime, bah voilà. Vous voulez faire un régime à Donana? Vous voulez emmener faire un tour de Nürburgring avec une bagnole pourrie? Et ça va être bon. Donc là, tu freines. Et hop, et t'accompagnes. La même chose, t'anticipes, tu freines. Impeccable. Reste à droite, Yanago. Oh putain, l'avion Mégane RS. Parfait. Allez, avec la chance que t'as, tu vas finir sur YouTube, toi, au virage YouTube. Donc là, t'anticipes, tu freines. Tu freines, voilà. Et là, tu tournes. Doucement. Parce qu'après, faut que t'enchaînes l'autre. Hop, vas-y. Reste sur ta vitesse, t'es très bien sur ta vitesse. Là, tu prends l'intérieur sur le vibreur, tu montes pas dessus surtout. Voilà, et tu ressors l'arche. Très bien. Même chose, tu restes à l'extérieur, tu freines. Et là, tu vas sur la droite. Très bien. Et vu que t'as personne, tu ressors sur l'extérieur. Voilà. Très bien, voilà, tu laisses accompagner. Putain, t'as de la chatte, toi, bordel, merde. Moi, je me fais emmerder à chaque fois et toi, tu passes. Là, tu freines. Et là, tu veilles sur le vibreur. Ah, c'est beaucoup mieux là! Même chose, là tu te jettes sur le vibreur. Salut! Oh, il y a l'hélico, parfait, il faut pas que je perturbe le loup. Donc là, tu freines gentiment. Et tu tournes. Tu vas sur le vibreur. Dis-toi, le vibreur, c'est un repère. Donc là, hop, tu vas sur le vibreur. Voilà, très bien. Très bien.
Ah bon, donc là tu ralentis tout de suite. Le bordel. Et là tu ralentis, ralentis, ralentis. Parce qu'ils sont stricts avec les drapeaux jaunes. Ils ont raison d'ailleurs. Oh, oh la vache. Merde, le pauvre. Allez, petit aparté sur le tour qui est fun de Madame Choumi. J'ai jamais trouvé ça drôle les cartons sur YouTube parce que bah, ça fait mal au cœur. Hein. C'est des bons gens comme nous hein, qui triment pour essayer de se faire une bagnole et un circuit. Et... donc ça fait un peu mal au cœur de les voir taper quoi. Bref. Bon voilà, t'enchaînes. Fais comme la ZAD. Voilà, tu suis la ligne. Hop là. Le but c'est de faire le chemin le plus court possible sans aller dans le champ bien sûr. Là tu restes à droite, tu freines. Voilà, hop. Allez, t'accélères. Vas-y. Et tu tombes. Très bien. Et tu fais comme la mini. Tu restes bien à l'extérieur, tu vois le vibreur, tu vas sur le vibreur. Et tu ressens l'arche. C'est parfait. Tu vois, t'as compris ce schéma. Tu restes à l'extérieur, tu freines. Et tu vas sur l'intérieur du virage parce que là, tu vas lui dire bonjour là, au photographe. Là. Tu pouvais passer le lot. Faut que tu profites un peu, moi aussi. T'inquiète pas, ça va bien. Et là, tu freines. Hop là. Tu vas finir la carte. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si si non. Si. Bien sûr que non. Elle veut pas Madame Choumi. Vous rendez compte. Elle veut pas finir. Je suis déjà limite la larme aux yeux donc. Ça va bien. Tu auras un coup. Oui, je crois que je vais te faire une fois qu'on va être garé. À ce moment-là. À monter quoi. Ah ouais. Attends, moi j'ai pas vomi hein. C'est surtout ça l'exploit, c'est que moi j'ai pas vomi, c'est ça dans le truc. Bravo toi. Par contre tu... tu m'as fait flipper dans des virages, là j'ai cru qu'on allait jamais tourner, je me suis dit mais waouh, mais on va finir où là. Bon c'est bon, je l'ai fait, vous êtes contents. Il y a une petite larmichette de loup qui commence à arriver.